Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, pour cette première semaine de décembre, nous sommes lundi 5 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, cette semaine, j'ai pris l'oracle intuitif et on terminera avec une petite carte de l'oracle de l'évolution. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Alors, le mois de décembre, eh bien, j'adore ce mois. C'est le mois de Noël, des fêtes. De la magie de Noël, et puis c'est le mois des préparatifs de Noël et de Nouvel An, mais surtout pour moi de Noël, car j'adore cette fête. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le pardon. Ah oui, le pardon, c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner. Lorsqu'on a été meurtri, lorsqu'on a été affecté par une personne, qu'on a été déçu, qu'on a été trahi, c'est pas facile de pardonner. Mais si vous ne le faites pas, vous n'avancez pas. Vous faites du surplace. Alors cette carte, elle est là. Eh bien, pour vous rappeler que pardonner permet d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal. C'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. C'est très important de le faire pour soi. Cette mésaventure que vous avez vécue ne gâchera pas votre vie. C'est vous qui l'avez décidé. Pardonnez. Pardonnez demande un effort, demande un très gros effort, car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère ou sa tristesse. Peut-être que cette chose, vous ne l'avez pas encore exprimée. Mais il faut que vous l'exprimiez. Il faut que vous exprimiez que vous êtes en colère et que vous êtes triste. Ne tenez pas ça pour vous. La colère, elle est là. On nous l'a mis dans notre vie. C'est pour l'exprimer. Mais après tout cela, il faut pardonner. On peut être amené à se pardonner soi-même aussi, hein. D'ailleurs, on est souvent plus dur envers soi qu'envers les autres, n'est-ce pas? Gardez à l'esprit que chaque situation qui se produit dans votre vie est source d'enseignement. Le pardon est toujours l'occasion, eh bien, de prendre un nouveau départ. On ne vous demande pas d'oublier, c'est pas ça. Le pardon n'est pas d'oublier, mais pour vous avancer, pour vous être plus serein. Et lorsque vous arriverez à pardonner, eh bien, vous verrez comment vous allez vous sentir. Vous allez sentir un poids dégagé. Vous avez un poids sur les épaules, c'est ce pardon. Et lorsque vous arriverez à pardonner, eh bien ce poids partira et vous vous sentirez beaucoup plus légère. Petit rituel, fermez les yeux et concentrez-vous. Faites quelques inspirations, quelques expirations.
revenez à vous. On y va. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire, on expire. Vous êtes détendu. Quelqu'un t'a-t-il blessé? Est-ce toi que tu aimerais pardonner? Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui a été fait, n'est-ce pas? Mais prendre du recul sur la situation, comprendre et surtout se libérer d'un poids. Visualise une lumière brillante qui se dirige vers ton cœur. Elle rend ta colère ou ta tristesse de plus en plus indistincte. Jusqu'à la remplacer par un sentiment d'amour. Ressens ce sentiment d'amour. Visualise bien cette lumière brillante. Bien. Tu peux ouvrir les yeux. Pardonner à l'autre, pardonner soi-même. Waouh, quel beau message pour commencer ce mois de décembre. Je termine avec l'oracle de l'évolution, petit message. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin? Est-ce une énergie? Est-ce un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et pour ma part, je vous embrasse. À demain.